C'est l'image qu'on vrai plaisir pour nous rencontrer avec une tête d'affiche dans l'élection, ça vous pas le fait là. 9 octobre, c'est date d'élection, il y a plusieurs candidats, il y a 4 têtes d'affiche, non pas mis 4 têtes d'affiche, ça y est. Nous avons un yo qui est très possiblement capable le prochain président de la République d'Haïti. Il s'agit de l'ex-sénateur M. Moïse Jean-Charles. Il fait un petit coup de pied dans la cour New York, il vient nous diaspora, il vient parler avec yo. Et puis, il vient proposer un plan d'action pour la diaspora, précisément. Je dis, il est sous plateau téléimage. C'est avec plaisir que nous pouvons recevoir invité de Marc Sarr, je le dis encore une fois, peut-être le prochain président de la République d'Haïti. Sénateur Jean-Charles, bonsoir, bienvenue. Très bien. Nous comptons et Valérie pour nous capables d'accorder l'interview. En même temps, c'est un plaisir pour nous saluer Madame Mou. Nous comptons pour nous saluer toute délégation qui est ensemble avec nous. Et à savoir, ancien juge, ancien secrétaire d'État, Maître Claude Garçon. Nous comptons pour nous saluer Père Léger et agronome Pierre Léger, qui est même tout sorti dans le grand sud pays. Nous connaissons la question de mon cap produit et vétiver dans le monde là. Agronome Pierre Léger, c'est le champion. Il accompagne nous. Et depuis hier, Gary ensemble avec nous. Nous comptons pour nous saluer. Mais son réel plaisir tout pour nous saluer en public. Là. C'est ça. Le monde qui est dans la communauté ici, c'est New York. Et je suis content pour un peu le support. Et Internet surtout, qui me croit, qui pourra le suivre nous. Je suis content pour saluer tout le monde par rapport au support que nous avons aujourd'hui dans la bataille dans le pays d'Haïti. C'est une bataille jouette, c'est une bataille qui nous détermine tout le monde pour nous retirer Haïti dans sa lieu aujourd'hui. Nous-mêmes, c'est moi Jean-Charles, et nous sommes dans nos pays, particulièrement dans la ville de Milo. Nous sommes magistrats pendant 3 fois dans la commune de Milo. C'est là que nous faisons études primaires, nous, études secondaires, nous faisons dans la ville capahitienne, ici, dans la ville de Gueye. Après, nous passons du Kiné, nous prenons sciences comptables, et finalement, nous sommes dans le pays Cuba, côté nous étudions communication politique. Jodi an, nous sommes entrés en Haïti après l'étude, nous avons fait la commune de Milo. C'est là que nous avons vu une maïsca comme ça, pendant 3 fois. Ouais. Mais avant, nous avons travaillé avec paysans, et puis nous avons fondé une fondation dans le pays qui est focale, fondation connaissance avec liberté. Okay. C'est maintenant que nous avons fait tout le monde autour de la question. Justement. Heureusement, Fouéama, qui a été président de la fondation pendant ces temps, l'hypothèse lumière. L'hypothèse lumière, c'est ça. Mais rapidement, pour qui ça d'après vous? Question focale la vini jodi an en mitan élection. Pour que ça ait accusé, yo djougaïman, c'est pas vrai, c'est pas tout même qui t'es formé. Pourquoi si Fouéama pat là comme mon responsable, son groupe personnalité, tout Fouéama connaît. Tout à fait, certainement. C'est pas n'importe qui personnalité. C'est ça, c'est très crédible. Son monde qui produit en pile dans le pays, il fait la colline en pile côté dans le pays. C'est ça. Il développe l'agriculture, il est dans l'éducation. Son frère, côté qui est tout gros activité de l'église catholique, en pile là aussi, il est responsable. Ouais. C'est pas n'importe qui monde, hein. Oui, très bien. Et puis les gens qui reconnaissent lui, c'est qu'à l'époque, Mme François Mitterrand travaillait avec l'Empile. Ok. Et bien, je dis, elle dit, ça qui a pris Moïse Jean-Charles là, c'est parce que c'est petit ton paysan qui sortit en arrière pour le pays. Et il y a une catégorie de monde qui attaque. Ok. Par contre, depuis que j'ai annoncé que je vais campagne à Kaye, c'est ville drapeau nous. C'est ça. Je pense que c'est pas par hasard que j'ai ouvert campagne à Kaye. Ça a un signal, un message pour le monde entier. C'est ça. Okay. Pour me dire que nous avons pour nous tourner avec intégrité, pour nous tourner avec dignité, pour nous tourner avec souveraineté. Et ensuite, à partir des campagnes ouvertes à Kaye, ça rappelle nous, les ancêtres qui ont organisé une cérémonie, qui ont organisé un congrès, excusez-moi, dans la ville à Kaye. Okay. Et c'est ça qui nous a mis dans le pays. C'est ça qui est débouché. Qui était débouché sur la révolution pays. Bien. Nous avons un pays qui est indépendant. Et bien, je dis, après, nous faisons une campagne là. Mais qui arrive, un, nous font l'autre candidat à l'ouverture campagne tout à Kaye pour c'est déstabiliser ça. Nous. À parler du candidat du Célestin. Heureusement, okay. Les Haïtiens comprennent ça très bien. Okay. Deuxièmement, ouais, un bouclier qui est venu dans le com. Directeur et Bridlan attaqué. Ok. Président du Conseil électoral l'a attaqué. Ensuite, Mme Michèle Pierre-Louis, lui mettons soi-disant notre dehors. Alors, ce qu'on aime bien, c'est pas vrai, ça l'a dit. Okay. Même tu es bien répondu, tu dit, en clos débat, avec une seule question. Est-ce que c'est où que tu es invité ou bien c'est moi que tu es invité ou dans le focal? Okay.
Si c'est vous qui invité, vous avez raison. Si c'est moi qui invité, tout, c'est notre bagaille. Okay. L'elle dit c'est le gain tout papier la main. Eh bien, gain l'esprit des lois et les lettres des lois. Ok. Parce que ça, il faut le maîtriser bien pour le comprendre. Par rapport à la sincérité, par rapport au service que Mme Michel Terrand, moi. Ok. Je crois que c'est normal. Nous, avons un corps. Et c'était M. Soros qui était financé la fondation. Hein. Ok. Et nous croyons que par rapport à Mme Michel service qu'elle était en moi, nous avons décidé, c'est le même qui pour faire gestion la fondation. Hein. Donc, vous remettez les papiers, les papiers légaux, fondation. Nous remettez tout le bagage. Ou signer un papier, vous remettez. Nous remettez tout le bagage, ça va être bagage. Nous dit Michel, mon corps qui est là. Très bien. Ah, on va aller plus loin. Focal, on situe la question, parce que c'est débat actualité à ces jours-ci. Et Mme Michel Pierre-Louis qui parle, n'importe qui monde, son ancienne première ministre, lui dit que ce n'est pas vous-même qui avez fondé Focal. Et voilà que vous-même apportez des éléments de réponse. D'abord, Focal, qui s'allie, on situe pour le monde qui peut-être pas connaît ça n'a pas lié. C'est dans le moment où il y a un coup d'État sous le président Jovenel Aristide. OK. Et nous avons ensemble avec M. Soros. Nous avons demandé pour aider les monde militant qui était pour quitter le pays. OK. Sacré Saint-Domingue, Sacré Cuba. Ça qui était Chili, ça pour qui était entré ici, mais qui était en difficulté. C'est ça. Nous demandons à monsieur pour le travail de Mounzaïo. Ok. Monsieur dit, si la paix de Mounzaïo, c'est un peu la vie de tout le monde qui était à Haïti, venu l'autre bord, venu dans tout le pays. Monsieur dit, depuis France, je préfère investir dans le pays d'Haïti et à travers une fondation. Ok, nous comprenons. Et qui ça le fait? Il voulait Mme Carole Chic, venu joindre moi. Ok. Vision nous-mêmes directement. Pour qui ça, c'est vous-même? C'est moi qui t'ai ravel pour nous parler de ça. Okay. Donc, c'est vous-même qui, au départ, t'es venu à l'idée. Exactement. Ok. Et puis après, je n'ai pas de local pour me faire réunion. C'était Ben Aïter qui est mon local. Ben Aïter, c'est ancien directeur. Ok. Et Inara. Ok. Et puis, il y a ancien député Louis Steven Tou qui a participé à la réunion ensemble avec. Ok. Mais finalité, hein, c'est moi avec Mme Carole Chic qui va tout le temps nous travailler ensemble. Ok. Et puis après, là, nous finissons d'accord. Mm-hmm. Pour mettre fondation, hein, qu'on n'a pas le faire pour ce délégal légal. Mm-hmm. Michel, c'est le même parle. Et bien moi-même, l'un besoin au monde pour administrer fondation, pour faire pour ce processus légal. Mm-hmm. Et bien moi-même, dit nous au monde. Vous avez Mme Michel Pierre. Mme Michel Pierre, vous avez un bon rapport avec à l'époque. Oh, nous c'est le même qui te supporte, nous avons en difficulté. D'accord, d'accord. Après, pour le temps, il faut pas au prince. C'est pas vrai. C'est la qualité ou t'as... Non, nous sommes dans le GRAP, le groupe haïtien des directions pédagogiques. Ok. Et puis, Père Jean-Marie était contre manger. Ok. Il vient assassiner Père Jean-Marie. Mm. Mais comme Mme Michel Pelle était contre avec Père Jean-Marie, et puis lui-même continue à manger. Intéressant. Et puis finalement, il vient un groupe avec ça. Mm-hmm. Il dit comment vous comprenez, je vais prendre carré pour faire gestion de ça, c'est Mme Michel Pelle. Très bien. Où est-ce que ça crivait? Il mettait tout le monde dans le bord là. Il mettait 100 000. Et il me songeait, c'est seul frère, nous entendons autour de lui. Comme un monde qui symbolisait mon paysannerie. Ok. C'est seulement lui, après ça, c'est Michel qui te mette. Ok. Après ça, je me suis dit que j'ai gagné 3 millions de dollars américains pour la fondation. Mm. Madame Michel Télégué, Madame Michel Pierre, qui était déjà dans l'autre fondation, dans l'autre ONG. Ok. Il te dit pas quitter pour venir dans ça. Parce que quand tu dis qu'il là, les sont petits. Ah, 3 millions US, américains. Oui, il était dans l'autre ONG. Oui, très bien. Ok. Quand il a dit plus tard, venir par rapport au programme qu'il était développé dans l'autre ONG. Pour venir à la fondation, il faut gagner 10 millions de dollars américains. Ok, très bien. Et finalement, notre travail, moi et Mme Carole Chi, nous avons rendez-vous avec Soros pour Michel. Michel entré dans la Cour de New York, il est en contact avec M. Soros. Soros dit, il faut dépenser comme ça qu'il a en Haïti. Mm-hmm. Là, nous faisons faire des pensions, il y a un bel rapport, et puis là, vous voyez l'autre. Ah, bah, plus comme, très bien. Ok? Mm-hmm. Michel a décidé de ne pas prêter. Donc, convaincu que l'été, il dit pas prêter, il a tourné dans la première ONG et il a travaillé là. Okay. Finalement, je ne pas venu m'entrer dans la Cour New York. Je parle avec M. Soros. Je suis même arrivé en Haïti, le transfert comme l'année est fait. Moi, qui ça me pensait? Je pensais que je m'entrais en Haïti. Toute l'équipe n'a pas le content, Mme Michel n'a pas le content. Et puis, c'est une déception. Dans la tête, pas. Comment Michel Pierre-Louis Ferl parle avec Soros, il attendait. Mm-hmm. Et puis moi, Jean-Charles parle avec Soros, il attendait. Son bail est discriminatoire. Okay. Mais c'est toujours comme ça, bagaille ça y est. C'est pas seulement ça. On prend l'argent pour tout Caribé. Okay. Combien de fois les médias ont parlé de ça pour dire que c'est moi, Jean-Charles, qui cherchait comme ça pour Haïti. C'est vous qui cherchez comme ça pour Haïti? Il va parler de ça. Mm-hmm. C'est à travers le commandant, non? Okay. Castro,
qui lui-même a fait un lien ensemble avec le président Rival pour lui. On a parlé de Fidel Castro. Fidel Castro. D'accord, ancien président Cuba. Et lui-même, c'est lui qui parle avec Chavez, parce que Chavez écoute M. Pile. Très bien. Chavez te dit papa. C'est bon ami. C'est bon ami. Chavez te dit papa Haïti, pour qui c'est papa. C'était bon ami, c'est ça. C'était bon ami. Il dit papa Haïti, pour qui ça. Là, Chavez fait coup d'État. Le président n'est pas d'accord avec Chavez. Et c'était normal. Le président n'est pas d'accord coup d'État. Okay. Non seulement Carlos Andrés Pérez qui était président à l'époque, c'était des amis président Aristide. Très bien. Le président n'est en même temps ton président élu, pas d'accord avec un coup d'État. Très bien. Et puis finalement, coup d'État réussi. Très bien. Chavez dit Haïti, pas de poli. Moi, je comprends. Et finalement, Chavez pas voulu bail pour gagner Haïti. Ok, ok. Finalement, le président Rival vient encore. Chavez dit c'est même Yoa, c'est même Mounio, c'est même Lavalas. Oui. Ok. Et puis il dit, pas de Bekob, qu'on a assez moins qu'elle parle avec le président Castro. Okay. Et puis nous planifions une rencontre. Très bien. Castro lui-même qui s'est le fait, il a invité Chavez pour l'aider à Haïti. Intéressant. Et mais c'est comme ça le programme d'arrivée. Il est commencé. Dernière fois encore, les Cob l'a dépensé, nous sommes dit la présidente Matilab détourné comme ça, Mabri Lamboué, on n'est pas occupé. Le fait que nous ne pouvons pas payer le programme, nan, parce qu'on est chaque fois au gaz, chaque mois nous avons pour payer Venezuela 60%. Ok. Chaque 90 jours. Mais nous avons 40% pour nous remettre sur 25 ans. Très bien. Mais comme ça, nous avons pour nous faire la position nationale ensemble avec elle. Et le programme nous dit, nous avons le droit nous-mêmes, pas payer comme le cash, et nous avons le droit de vivre alimentaire. C'est ça, nous c'est ça. Pour comme ça. C'est ça, produit alimentaire. Avant de dire, combien de cobres est vraiment? Combien de cobres est combiné? Combien de l'idée marquée? Il commence à combien? Et quoi est-ce que nous avons gagné 390 millions? Okay. Qui était utilisé par le président Rival. Ok. Pour songer. Tout comme la net est utilisé. Et tout comme la net. Mais c'était. Pour faire qui ça exactement? Et pourquoi le président Rival fait route sorti dans la capitale de la province de Gonaïve? Ok. Et pour que l'entendez l'inondation de Kazi Gonaïve là? Je me songeais très bien. Et puis il y a 30 millions qui étaient pour l'aéroport Cap-Haïtien. Je dis en, comme ça, mon côté lié, il va exécuter le projet. Hein. Ensuite, il y a tout un pilote projet qui est fait avec comme ça. Okay. Et je crois que tout est gagné 30 millions de dollars américains que nous-mêmes nous avons porté à jouer une paysanne à Tibonette pour un grès. Mm. Et puis, il y a 50 millions qui pour CND, comme ça. Ok, ok. Et au songe, un paquet d'équipements d'acheter. Équipements, au songe. En gros, on a un petit rapport. C'est ça. En gros, 390 millions, mais ça, c'était sous Préval. Sous Préval. Mais avant, on l'a dit. Sous Préval, tu fais un bagaille. Il était quitté 1,9 milliard de dollars américains pour le président Matéli. 1,9 milliard américains dans la caisse de l'État. Caisse de l'État, dans le COP Fonds pour le Caribe. Dans le COP Fonds pour le Caribe. Pour te financer, on sait des projets qui étaient commencés. Ok. Pour ne pas te faire accompagner tout le COP là, mais tu dis, Matéli a venu là-bas et accompagner le COP. Ok. Même compagnie qui était commencée. Même compagnie qui était commencée, par exemple, commencer le projet 1. Il va avoir tout le COP là. Ouais. Sans avoir 15 pouces, sans avoir 20 pouces, sans même le COP là, t'es là. Très bien. Le projet ça ne va pas continuer. Ok. Et finalement, le président Matéli même, je dis, par contre, si je fais ici un point d'autre, c'est parce que 4 milliards de dollars américains qui disparaissent là, mon parcours côté il fait. 4 milliards. L'argent fait c'est gros chiffre ou bail là. Oui. Par exemple, mon côté comme ça fait. 4 milliards. Le président Maduro qui est en difficulté aujourd'hui. Hein, oui. Lui dit le fait que le gouvernement haïtien pas de payer. OK. Et même pas bail gaz encore. Il pas bail gaz encore et il t'a pas le camper pour gamme là. OK. Même pas quoi il peut pas haïtien oublier ça. Ça gagne 3 mois si pas dormir 4 mois. C'est moi encore qui prends un avion, qui entre au pays Venezuela, qui discute avec Maduro, pour me dire, président Maduro, si toutefois nous campons gaz ça, si vous campez Edlan, bon, je n'ai pas même besoin d'une élection. Ah bon? Le président Maduro dit, Matéli a été gagné gaz, mais je dis à Matéli, voilà, pas gagné gaz. Je ne comprends très bien. Il va me dire, c'est Matéli qui n'a pas payé. Et Maduro, il dit, parle avec le gouvernement haïtien, même si nous ne pouvons pas payer. Ancien l'argent qui nous a gagné pour payer Venezuela, mais Kounia, faut commencer bien à partir de Kounia. À partir de Kounia. Sans me comprendre, sénateur Jean-Charles, pour qui ça c'est vous-même qui faites toute négociation? On a commencé par Fidel Castro. Pour qui ça c'est vous-même qui parle à Fidel Castro, qui rapporte gagné avec Fidel Castro? Et je vous dis, dans l'histoire récente, trois mois de ça, où elle parle avec le président Maduro. Pour qui ça c'est vous-même? Pas bien, c'est qui va m'étudier. Ok. Et moi, c'était un étudiant qui était bouillant dans l'école Castro créée lui-même. Qu'est-ce que Castro fait? Fondation, on connaît ça. Par contre, si vous avez un vote dans les Nations Unies, vous n'avez pas dit un vote en face aux Américains. Okay. Même pas qu'on est-ce que vous le connaissez pour qui ça. Enfin, vous ne connaissez pas ça. Okay. Et vous pouvez le dire, même dans l'OEA, en pile, les Américains ont présenté une résolution pour
mettre un bagage sur Cuba, mais voyons qu'à passer. Okay. Alors que les États-Unis sont une grande puissance, qui a l'argent. Oui. Qui est supposé contrôler deux entités, ça, OEA, Nations Unies. Exactement, malheureusement. On ne peut pas jamais, les États-Unis ne sont pas jamais capables contre Cuba. Ok. Qui ça fait ça? Casso pour pas qu'un jeune garçon, ou pas qu'une jeune femme, et puis ils vont à l'école, et puis ils font tout le monde venir étudier la Kaili. Okay. L'idée paysan, l'idée syndicaliste, ils font tout venir la Kaili. Mm-hmm. Et puis ils forment, ou étudient communication politique, ou médecine. Étudier médecine, agronomie, il y a plusieurs. Nous sommes ça. En plus, on vit président. Très bien, très bien. En plus, on vit premier ministre. Okay. En plus, on vit sénateur. En plus, on vit ministre des étrangères. C'est ça, il a coupé des postes. Exactement. Mm-hmm. Ça veut dire qui ça? Tant que moi-même, je t'ai pris la parole sur la tribune des Nations Unies, pourquoi, si je ne parle pas même en 2013, je peux parler des discours ça, de la tribune des Nations Unies. Okay. Mais, et par contre, ça me t'a dit, mais c'est tout ton équipe, pays qui t'a fait campagne pour moi, les États-Unis n'ont pas d'accord. Mais pourtant, je me suis dit, je vais aller par rapport, on sait des campagnes, le Brésil mettait tête ensemble avec le pays Cuba, okay. avec Burundi, mm-hmm. je me dis, moi, je suis venu parler. Intéressant. Si je dis, si vous êtes venu parler, moi-même, tout comme qui n'a pas besoin, je suis venu parler. Très bien. Et là, ça me présenté le discours maintenant. C'était vraiment important. Et tu es comme Barry, me dit. Et, parce que c'était mon thème pour me traiter. Okay. Je me dis comment la technologie capable d'aider le monde là, combattre la criminalité sur les femmes avec les gens. Okay. Et comment la technologie tout cas aider les gens avec les femmes sur les gens. Ok. Je me dis, même si on développe la technologie, mais tout le monde n'a pas appliqué une politique néolibérale, une politique globalisation. Qui mettent tout le monde dans le même sac, mais tout le monde n'a pas nager même gens, tout le monde a un monde qui a couffé quand même. Et nous te fait Nations Unies, après la Deuxième Guerre mondiale, c'était pour nous empêcher de mourir en bas bombe. Je dis à mon papa, en bas bombe, pas de guerre, mm-hmm. mais il y a plus de monde qui mourit avec grand goût, avec sida, avec mm-hmm. malaria, avec l'autre qualité de maladie, avec choléra en Haïti. Très bien. Et qui ça fait ça encore? Je dis à l'un gardé par rapport au pays pauvre. Eh bien, il y a une situation extrêmement difficile. Même si tu as mesdames au téléphone pour que mesdames n'a mais même si tu as petit monde au téléphone, les qui a vu les mesdames courir la police, ça va poser le problème là. C'est parce qu'il y a un problème. Ensuite, grand goût je dis capturer monde. C'est parce que attendez bien oui. Richesse monde là mal séparée. On parle de comment. C'est comme ça, c'est ça me t'ai dit dans discours là. Nous gagnons 7 milliards 300 millions d'habitants dans monde là. Agriculteurs nous yo qui dans monde là yo produit manger pour 12 milliards moun. Okay. Ça veut dire parce que vous produit manger pour 5 milliards moun en plus. Mm-hmm. Malgré tout, il y a moun ka bon avec grand goût. Qui ça fait ça? C'est parce qu'il y a une mauvaise distribution de richesse monde là avec un système économique injuste. Très bien. C'est là que pose problème là et c'est discours ça qu'il faut aller revenir dans n'importe quel pays d'Amérique latine et pour moun a prend la rue. Intéressant. C'est ça ouais, m'te dit dernière fois, ouais moun dans la rue. Très bien. C'est gros bagaille. Et puis tout, nous avons l'autre avantage par rapport à ce qui sont posés. Hein? Si demain matin, j'ai besoin du gouvernement cubain, j'ai besoin d'un rendez-vous. Moi, je comprends. Et si tout le monde n'est pas capable de faire, je dois dire que le pays Cuba, j'ai tel pays besoin de planifier mon contrat avec vous. Moi. Très bien. Je ne suis pas président, pas sénateur, mais je recommande rencontrer dans nos paquets de pays. Oui, moi, de tous côtés, surtout dans l'Amérique latine. En plein yo, tu es passé, même côté avec moi. Très bien, très bien. Je suis dans la même école avec moi. Dans la même école avec moi, et puis l'un qu'on l'autre. Ça, très intéressant. Je ne vais pas dire que moi, je vais dire non. Je ne vais pas dire que le président a besoin de matin, je vais dire non. Je ne vais pas dire que le président a besoin de non. Ça veut dire, il y a un avantage que nous gagnons. Okay. Nous sommes dans n'importe quel pays, à l'aise, pour mal poser problème. Et chaque fois, ils sont quand même faits. Déjà, je ne connais pas une technologie pour production du riz. Okay. Déjà, avec qui paye, je peux le faire. Par exemple, la dernière fois, je suis dans le pays Uruguay. Mm-hmm. Pourquoi je suis dans le pays Uruguay? Américains ont dit pendant l'élection. L'Union économique européenne dit pendant l'élection. Ils ont dit qu'on va faire. Ils ont dit qu'on voulait observer l'élection. Ils sont sortis pour faire l'élection. Malgré que je suis dit qu'on va faire l'élection. Et bien, ça me fait. Malgré le président Uruguayen, il est passé deux jours dans le pays. Il a reçu la Kaili. Mm-hmm. Et puis finalement, je m'explique la situation haïtienne. Et puis après, deux jours, trois jours, le secrétaire général OEA dit qu'il pourrait observer l'élection. Intéressant. Ça veut dire que c'est des. Pour qui ça? Oui. Parce qu'il faut connaître le secrétaire général là, son Igwe. Hein. Ok. Ça veut dire que la diplomatie, comment jouer avec. Nous comprenons. Nous connaissons comment jouer avec la diplomatie, nous jouons sans besoin. Très bien. Ça veut dire en gros, c'est comme ça la situation. Hein. Très bien. Nous allons pause pour ça parce que nous voulons retourner juste après pour nous parler de l'élection. Et déjà, et permettez-moi de dire ça, Mabdi, là, c'est sûr que le monde qui a regardé la téléspectateur internet, nous peut-être découvrir l'autre Maurice Jean-Charles.
Moïse Jean-Charles qui peut-être pas même Moïse Jean-Charles ça que dépend nous paysans qui pas qu'on qui pas trop savi qui pas qu'on trop bagaille et puis qui pas qu'on parler qui pas qu'on parler français tout dire qu'on parler français là nous tourner après posant nous parler de ça de l'autre Moïse Jean-Charles ça et puis nous pas entrer dans l'élection parce que ou là comme candidat à la présidence ou voulez président donc n'appelle le ça tout à l'heure c'était bon. Zoom, yon compagnie transfère l'argent à travers PayPal qui est toujours bon côté. Voyez l'argent en Haïti sans perdre de temps et puis allez chercher l'Inacam ou bien Unitransfer. Service clientèle nous disponible 24 sur 24 dans téléphone pour répondre toutes questions gagnées. Restez tête frette. Nous garantissons l'argent arrivé sans problème. Dans le cas contraire, nous promettons comme vous. Installez l'application et puis voyez l'argent en toute confiance. Zoom, moyen qui est plus facile pour voyer l'argent en Haïti. Fidelis Care provides quality, affordable health coverage for children and adults of all ages. Compassion, commitment, community. This is what we're made of. Call 1-888-FIDELIS or visit fidelliscare.org. La parfumerie de Barbara a exactement tout ce qu'il faut pour vous, mesdames, et vous aussi, messieurs, lorsqu'il s'agit de cadeaux et de senteurs exotiques de parfums en provenance de Paris et de la ville de Grasse. À la parfumerie de Barbara, vous trouverez des parfums de grand nom et de renommée internationale pour hommes, femmes et bébés. Oui, parfums pour bébés. Senti bon coûte cher, c'est vrai, mais avec la parfumerie de Barbara, senti bon au rabais. C'est comme ça, soit acheter un parfum, il y aurait tiré 10$ sous les vous, soit acheter deux parfums même, il y aurait tiré 25$. Dans la parfumerie de Barbara, on a besoin de meilleurs produits de beauté, parfums qui sortent directement dans le pays, la France. Déodorant, Obao, Prétil, Bourjois, Fa, Rexona, Bien-être, Fenjal, Poudre Bourgeois même à gogo dans la parfumerie de Barbara. Crème pour le corps, Mixa, Belda, Montsavon, Bourjois, gel de douche, de grand nom s'il vous plaît. Visitez la parfumerie de Barbara au 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island, ou bien appelez Barbara au 516-805-2318 et elle vous rappellera, si vous l'aviez oublié, que la parfumerie de Barbara est aussi la maison des cadeaux. Vous marquez d'une touche spéciale les moments qui n'arrivent qu'une seule fois dans votre vie, tels que votre mariage, la première communion de vos enfants, baptême, fiançailles, anniversaire, sweet 16, vous avez certainement besoin de l'expertise des professionnels de Téléimage Production qui vous garantissent un service de première classe, avec une attention particulière et surtout un prix abordable. Téléimage Special Package, pour seulement $2,999 pour les services de vidéographie, maître de cérémonie et DJ. Mes amis, Téléimage paraît avec un special package côté que tout le monde qui prêt à le marier a capable save sous prix vidéographie, maître de cérémonie, DJ, photo avec limousine. Pour seulement $2,999, ou a capable marier entre l'église, fait belle réception mariage ou sans problème. Téléimage special package pour seulement $2,999 pour vidéographie, maître de cérémonie et DJ. Relais Téléimage depuis Kouniana pour plus d'informations, pour ne qu'à bénéficier de special package ça, dans 516-805-54-10, 516-868-35-30. Téléimage Special Package, côté que Téléimage Production a desservi avec classe, professionnalisme et les garanties ou satisfaction. Baiser volé, le nouveau parfum Cartier.